Bonjour, en direct de ma salle de bain. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un des produits Artis que j'utilise depuis quand même très longtemps, presque depuis sa sortie ou depuis que Marilyn m'en a parlé. Bref, c'est l'huile de base qui se trouve vraiment dans mon armoire tout près ici. Et à chaque matin, en fait, je prends le temps de nettoyer mon visage, hein, toujours la première chose, avec une petite débarbouillette douce qu'on va faire ensemble. Alors, je prends une petite débarbouillette ici. Je mouille simplement avec une eau tiède, température du corps. Puis, j'aime ça faire ça comme doucement pour relaxer le matin. Pas que ça soit trop un matin pressé, le moins possible. Donc, je vais vraiment nettoyer mon visage doucement. Et on va prendre le temps de sécher ensemble. L'huile de base, en fait, je vous lis un peu les ingrédients. Huile de noix de coco fractionnée, huile de pépins de raisin, huile de graines de chanvre, huile de pépins de canneberge, hein, des nouveaux produits de Marilyn. Et en fait, tous des ingrédients végétaux et biologiques, c'est l'huile ici. L'huile de base. Et en fait, j'en mets seulement 4-5 gouttes dans ma main, juste ici comme ça. Avec la petite pipette, qu'on prend soin de pas trop coller sur notre peau. Là, on fait vraiment déposer les petites gouttes comme vous l'avez vu dans ma main. Je frotte délicatement mes mains ici comme ça, doucement. Puis, je viens en mettre un petit peu partout. C'est comme doux, ça sent, c'est une odeur super délicate, ça sent pas trop. Moi, qu'est-ce que j'aime des huiles, de l'huile à comparer à la crème, là, tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est le confort. Il n'y a pas de, tu sens rien après. Tu sais, c'est vraiment une huile qui vient se déposer sur la peau, puis qui vient vraiment rendre la peau très, très, très douce. Tu sais, on peut faire quelques petits mouvements circulaires comme ça pour juste savourer un peu le moment. Vous pouvez faire ça le matin, mais vous pouvez faire ça aussi le soir pour vous détendre. Ma bouteille, je la traîne un peu partout, là, mais je l'ai aussi une près de ma table de chevet. Fait que le soir, des fois, juste de faire un petit massage avant le coucher, ça fait vraiment du bien.